je te laisse à saison. Merci, monseigneur. Tu as un bon coup de. Ouais, j'ai beaucoup un bon coup de piment. J'ai 10 ans d'entraînement. Ouais, c'est pour ça. Bon, ça fait longtemps que je suis pas entraîné. On sent l'expert en la matière. L'expert du secouage de nouilles. Voilà. De sauce. 10 ans de nouage. Ah, regarde. Oh là là. Oh oh. Même sans en voulant par exprès, tu aurais pas pu faire. Je sais pas, fait expliquer le truc, il a giclé. Un micro, oh, putain. Oh putain. Ah, c'est nerveux. Un truc bien dégueulasse. Tiens, mange ça la pizza. Tiens, salope. Bon, on va valider, faudrait pas perdre un fichier aussi mémorable. Oh, Marius, mais quoi, ça suffit, it's me Marius, c'est quoi ce baigu? It's me, Marius. It's me, Marius, mais arrête, c'est ridicule, cette votre crécelle, ça me... Moi, j'ai mon frère, ça suffit, elle sait la dame qu'on est ni frère, ni italien. Viens ici. Je tombe là, c'est la vie, ça du fruit. Oh, viens là. C'est vrai, mais t'as pas dit, Nat, mais au pub, en fait, il y a au moins 3-4 meufs qui sont venus me brancher. Ah bah moi, elles arrêtent pas, hein. Ah, elles sont venues. Ah, c'est vous. Moi, qui mais vous, Jérôme Baraga, c'est vous. C'est vous, le G-Dread. Je vous ai vu sur toutes vos vidéos, toutes vos caméras. Je vous aime, je suis fan. Elles sont arrivées, en fait. Elles disaient... Ah, le G-Dread. Dégage, toi, t'es trop musclé, hein. C'est ça, quand je suis rentré, j'avais du soutien-gorge partout. Non, je suis marié. Après, quand elles repartaient, c'était... Ça coulait dans les chaussures, elles te manquaient le mouillé. Ah, mon Dieu. Elle était par terre, elle convulsait. Ah, elle avait des orgasmes rien qu'en le voyant. Ah, c'est ce qu'il dit. Pourquoi est-ce que les femmes ont des jambes? Parce que sinon, elles pourraient les suivre à la trace. Ah là là, cette blague. La blague hashtag méga beauf. Oh, de suite. Il manque plus que la 405 tuning immatriculée dans le 13. Ah merde. Merde. Hashtag bof. Ah merde. Hashtag Cro-Magnon. Hashtag Terminaforce. C'est ça. Ouais. Oh putain. Je ne peux plus rouler avec toi. Tu me rappelles trop. C'est Musclor. Je rêvais tellement d'avoir son corps. Ah, je suis peut-être un peu pédé alors.
moult Victuai. C'est moult Victuai. Du bord. Le chevalier, monseigneur. Oui. Allez, allez, les gueux. Allez, maintenant. Ou alors je vais racheter mon immeuble. Quoi là, t'as qu'à faire? Je le rachète, je reloue tous les appartements, j'arrête de travailler et je vis sur la location. Voilà. Et après tu embauches 2-3 femmes de l'Est, tu montes un business, voilà. Tu mets un chapeau à plumes et tout. Bah. Avec une canne. Et ouais, comme avec mon bâton de pèlerin tout à l'heure, voilà. La petite canne. Tu dis les filles, les gagneuses, tu les appelles. Appelez-moi Don Jérôme. Les gagneuses, frère. Don G. Je suis dangereux. Qu'il y en a une qui gagne pas assez, pas de l'océan. Par contre, tu pourras m'aider à les former, s'il te plaît. Je vais les déformer. Voilà, je te les livre jeunes et vierges, tu me les déformes, tu me les dévergonnes, histoire qu'on puisse faire quelque chose. Il faut les éduquer. Hein. Attention. Il faut leur apprendre le métier. Ouais, c'est toute une formation. Hein. Pas donné à toi, t'as dit arriver. Il faut y arriver. Hein, c'est... Attention. Hein. Attention. Je te donnerai bien sûr que tu seras grassement payé pour tes services. Ça c'est un job d'honneur ça. Je prends. Bah c'est dur, je me lève tôt, il y a du travail. Hein. Putain, j'en ai combien à niquer ce soir? 4. Bah ça va. Tu es resté dans son coin, frigide. Pareil elle-même. Putain. Laisse tomber l'humour avec les gonzesses. Ouais, c'est ça. Oh putain, c'est Christelle, c'est mon ex, je sortais avec elle la semaine dernière. Mais la semaine dernière, elle était vachement mieux foutue, hein. C'est... Ah, tu t'es protégé au moins, hein. Ah oui, il y a des faux numéros, hein. Tu es fou, oh, quoi. Putain, c'est ma KTM. Ah, c'est ma Golf. Pour de bon, il y a un plein, hein. Ah bah ouais. Sauf qu'on est sérieux, tout à l'égout, mais ça a des glaces. C'est ça. Enlève le caramel, ce qui m'a rendu malade. Enlève la crème de marron, ce qui m'a rendu malade hier. Yeah. Merci. Super. Ah, super. Donc, on a le verre d'eau avec, t'imagines. Ah, on est pistonné. T'es bon. Un chien, hein. Oh, elle est belle par contre. Ah, elle est belle. Hein. Oh, là. Quelle est belle. Allez, goûte. Il leur fait goûter à tout. Elle suce. Il leur fait croire qu'ils ont croqué. Ouais, c'est ça. Tu fais avec un peu froide. T'as la chantilly, elle est bonne. Tu vois, Nat, si tu aimes la moto, tu serais venu manger une glace. Ouais. Ah. Ouais, mais... Mmh. Mmh, c'est vrai. Bah oui. Au pied du mont, comme elle est riante, comme elle est luxueuse dans sa végétation, cette plaine immense que l'œil ne peut embrasser en entier. Que de variétés, que de couleurs, dans ces milliers de champs, nouvel Éden, où fleurir l'arbre de Minerve, où se charge de fruits le pampre généreux. Que de vie dans ces villages sans nombre, dont le nom fatigue la mémoire, et qui, de ces hauteurs semblables à de charmantes miniatures, surgissent çà et là, au milieu de fertiles vignobles, et dans l'éloignement, voyez-vous, comme elle se dresse, m'habite, indécise et noyée, dans le bleu tas. On peut lire l'autre poème ? Oh ! Cette Babylone d'Occident orgueilleuse de porte sur son front l'antique et colossale demeure de ses pontifes, Jean-Henri Fabre qui se faisait vachement chier pour rire autant de conneries. Mmh. Voilà. C'était aussi chiant à lire qu'à écouter, je te rassure. C'est ça.